Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter les points forts du rhumatisme psoriasique à cette ACR 2015 et vous allez voir qu'on couvre comme ça un petit peu tout le panel de ce qui se dit dans le monde du rhumatisme psoriasique. Alors, la première question, c'est comment diagnostiquer la maladie plus précocement pour pouvoir bien sûr démarrer un traitement plus précoce et éviter les conséquences néfastes. Et plusieurs auteurs s'attachent à cela. Alors, il y en a beaucoup qui d'abord cherchent des facteurs prédictifs de rhumatisme psoriasique chez des patients déjà atteints par un psoriasis cutané. Et par exemple, là, je vous ai sorti une étude sur des éléments cliniques pouvant être prédictifs de la survenue d'un rhumatisme psoriasique, qui a montré que chez les femmes, les arthralgies sans arthrite, chez tous les patients, les talalgies, un degré de fatigue important ou une raideur étaient des facteurs de risque de développer un rhumatisme psoriasique. Il y a aussi des auteurs qui recherchent des signes échographiques qui vont pouvoir être prédictifs de la survenue d'un rhumatisme psoriasique, et notamment au niveau des interphalangiennes distales, dont vous savez qu'elles sont à proximité de l'ongle et qu'elles constitueraient probablement une zone où l'ongle et l'anthèse sont étroitement liés, ce qui est une théorie qui a été développée par l'équipe de McGonagall. Donc là, cette équipe italienne a montré que l'existence d'un rhumatisme psoriasique est un facteur d'anthésopathie des interphalangiennes distales diagnostiquées échographiquement et que l'atteinte psoriasique d'un ongle est corrélée à l'atteinte de l'anthèse sous-jacente. Il y a aussi des facteurs biologiques qui sont recherchés avec la détermination de biomarqueurs sériques par des études assez poussées de protéomiques et notamment ces auteurs qui ont déterminé que la M2BP, l'ITG B5 et la CRP sont des éléments corrélés au risque de rhumatisme psoriasique et ils vont essayer comme ça de développer un score biologique prédictif. Alors, la deuxième thématique, c'est d'essayer de mieux démembrer les éléments cliniques qui sont spécifiques au rhumatisme psoriasique, c'est-à-dire qu'on sort de la transposition de ce qui se faisait dans la polyarthrite rhumatoïde sur le rhumatisme psoriasique et qu'on essaye de mettre en place des traitements vraiment plus adaptés. Notamment, l'importance des enthésites est soulignée dans de nombreuses études. Par exemple, sur cette cohorte de Toronto, vous voyez que les enthésites sont fréquentes, 38% des patients. Elles touchent principalement les tendons d'Achille, les aponévroses plantaires et les épicondyles latéraux. Et l'existence d'une enthésite semble corrélée à une plus grande sévérité du rhumatisme psoriasique. Par ailleurs, certains auteurs ont démontré l'importance de la prise en charge des atteintes oligo-articulaires. Dans beaucoup d'études pivot, on voit qu'on sélectionne des patients qui sont plutôt des atteintes polyarticulaires avec au moins trois articulations gonflées et douloureuses. Ça ne correspond pas à l'entièreté des patients atteints de rhumatisme psoriasique. Et dans cette cohorte, ils ont remarqué que les atteintes oligo-articulaires étaient probablement moins bien traitées et peut-être plus sévères avec un plus gros retentissement sur la fonction des patients. Alors, c'est important en effet de prendre en compte la perspective des patients, et ça, c'est une tendance globale, je pense, dans la rhumatologie. Et des auteurs ont fait une analyse qualitative pour identifier les besoins des patients et leur vision de la maladie. Je vous ai mis ici le schéma qui ressort de cette analyse et qui nous dit que finalement, les symptômes du psoriasis impactent la qualité de vie et que les patients développent des stratégies à la fois pour minimiser ces symptômes et pour minimiser l'impact sur la qualité de vie, comme par exemple des stratégies de coping, et qu'ensuite, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est les aider justement à développer les stratégies les plus efficaces. Un autre élément important, c'est la fatigue. On a tendance, je pense tous plus ou moins, lorsqu'on analyse les résultats des études thérapeutiques, à se dire que si la fatigue s'améliore, c'est parce que la réponse à CR20, le PASI, s'améliore. En réalité, sur une sous-analyse de cette étude du secukinumab, les auteurs ont montré que les patients répondeurs à CR20 ou PSARC ou PASI 90 ou DAS28 ont certes une plus grande propension numérique à atteindre une amélioration significative de la fatigue, mais cependant, ça n'atteint pas la significativité statistique. Donc, ça veut dire qu'on a beau améliorer les critères de la maladie, on n'améliore pas forcément la fatigue à la même échelle.
Ça veut dire donc que la fatigue, elle a aussi d'autres déterminants et qu'il va falloir essayer d'avoir un impact dessus pour améliorer la qualité de vie des patients, ce qui est quand même l'objectif. Alors ensuite, il y a une grosse littérature sur l'importance des comorbidités dans le rhumatisme psoriasique. Vous le savez, il y a plusieurs études, et là, il y a d'autres études qui sont venues corroborer l'association du rhumatisme psoriasique avec différents facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, les dyslipidémies. Une petite étude sur 128 patients atteints de psoriasis, dont 21 atteints de rhumatisme psoriasique, a montré que la chirurgie bariatrique chez les patients ayant une obésité sévère améliorait le rhumatisme psoriasique et le psoriasis cutané. Mais c'est un critère purement objectif et rétrospectif, donc à confirmer par des études plus rigoureuses. Alors ensuite, le lien du rhumatisme psoriasique avec le diabète. On sait que le diabète a une prévalence augmentée dans le rhumpso, et dans cette étude, c'était 11,3%, alors que dans la population générale, c'était 8,9%. Et il semble que la vitesse de sédimentation et le nombre d'articulations douloureuses soient prédictifs de la survenue d'un diabète incident chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique. Et donc peut-être qu'en traitant mieux le rhumatisme psoriasique, on pourrait éviter la survenue d'un diabète. Et puis enfin, le gros morceau, ce sont tous les nouveaux traitements qui sont arrivés dans le rhumatisme psoriasique. Là, je ne vais pas vous représenter bien sûr toutes les études pivot auxquelles vous aurez accès probablement assez facilement. Mais je vais vous citer les traitements et peut-être les grands messages à tirer pour chaque traitement. Tout d'abord, l'apremilast. Ce traitement, il est intéressant parce que c'est une petite molécule qui se prend par voie orale. C'est un inhibiteur de la PDE4. Les données d'efficacité sont assez convaincantes, même si l'envergure semble globalement un peu moins bonne que celle des biothérapies. Et ils ont notamment des données d'efficacité sur les atteintes plus spécifiques du rhumatisme psoriasique, que sont les entésites, les dactylites, les atteintes des ongles ou du cuir chevelu. Du point de vue tolérance, ça semble assez séduisant, avec des troubles digestifs, surtout en début de traitement, mais qui ont rarement impliqué un arrêt du traitement. Et puis, quelques pertes de poids de plus de 5% du poids chez des patients qui étaient obèses au départ, donc qui seraient peut-être plutôt un effet indésirable finalement positif chez ces patients, mais à surveiller. Ensuite, l'ustekinumab, alors c'est un faux nouveau puisqu'il est déjà développé et commercialisé dans le psoriasis cutané. Vous savez qu'il inhibe à la fois l'IL-12 et l'IL-23 via l'unité commune P40. Les données d'efficacité sur le rhumatisme psoriasique sont assez bonnes, peut-être un tout petit peu en dessous des anti-TNF-alpha. Il y a aussi des données sur les atteintes axiales qui ont été présentées cette année. Et du point de vue tolérance, il semble, en tout cas sur une étude qui a été montrée, qu'il y ait un peu moins d'infections qu'avec les anti-TNF-alpha, ce qui peut être intéressant. Ensuite, les anti-IL-17A, vous avez sûrement eu des informations sur leur efficacité extraordinaire dans l'atteinte cutanée, avec des pâlissements à 30-40%. Dans l'atteinte du rhumatisme psoriasique, on a aussi des données tout à fait intéressantes. On en a deux à notre disposition, le secukinumab, qui se fait en sous-cutané. Il est déjà bien avancé et on a des données jusqu'à 2 ans de suivi en efficacité et en tolérance qui sont intéressantes. Et puis, l'ixekizumab, qui est un petit peu moins avancé dans son développement. En revanche, ils ont été assez malins pour développer leur étude pivot avec un bras actif sous adalimumab, ce qui nous permet pas vraiment une comparaison si on veut être rigoureux sur le plan statistique, mais en tout cas, on voit des chiffres qui sont assez proches en réponse clinique et structurale de l'adalimumab, avec en plus peut-être une meilleure efficacité sur les atteintes spécifiques de type entésite ou dactylite. Alors pour la tolérance qui ressort, bon, vous savez qu'il y a eu des histoires de dépression et de suicide sous le troisième inhibiteur de l'IL-17 qui inhibait lui le récepteur, le brodalumab, qui a été retiré du marché. Là, ça ne ressort pas dans les études de ces deux anti-IL-17. En revanche, on a des neutropénies, et des candidoses, mais qui, d'après ce qui nous est présenté, n'ont pas entraîné
d'arrêt et n'ont pas eu de gravité spéciale. Enfin, un tout petit nouveau qui a été présenté oralement sur des résultats d'une phase 2 dans le psoriasis cutané, c'est un anti-IL-23 mais qui lui bloque spécifiquement la sous-unité P19 et donc n'inhibe pas l'IL-12 contrairement à l'ustekinumab. Sur la peau, il semble avoir des résultats meilleurs que l'ustekinumab. Bon, dans l'étude, il n'y avait que une quarantaine de patients avec des douleurs articulaires sans que ce soit un véritable rhumatisme psoriasique confirmé, qui aurait peut-être eu une amélioration de leur EVA douleur, mais ça reste bien sûr à démontrer. Pour finir, on a eu aujourd'hui un poster en Late Breaking Abstract sur les recommandations GRAPPA 2015 du traitement du rhumatisme psoriasique. Je vous laisse prendre connaissance de ce tableau qui me paraît quand même plus clair que celui qu'on avait eu sur les dernières recommandations EULAR, mais qui reste très compliqué, mais qui reflète aussi le polymorphisme de cette pathologie. En tout cas, vous voyez que du point de vue d'IMARDS, le méthotrexate, la salazopyrine et le leflunomide ont leur place, que les anti-TNF gardent une très bonne place dans les traitements, mais l'inhibiteur de la PDE4, la prémilast, les inhibiteurs IL-12, IL-23 et IL-17 trouvent une place dans des lignes plus avancées de traitement chez les patients les plus sévères. Tout ça est entouré d'une recommandation sur le suivi en essayant d'inciter les gens à faire un peu ce qu'on appelle du tight control, du contrôle serré de la maladie. Ce qui est intéressant là, c'est l'adaptation du traitement au domaine atteint par le rhumatisme. Voilà, je vous remercie.